Pas que je suis en plein concert, là. Si, mais la situation est urgente, là. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais il se passe que l'Empire d'Armory vient de nous déclarer la guerre. Ah, merde. Ouais. Un empire? Ouais. C'est grave, ça, non? Bah, plutôt, ouais. Bon, ça va. Et vous, arrêtez de ventiler, ça m'agace, là. Mais pas du tout, moi, cette histoire de... Et ils sont combien, l'Empire, machin? Ils sont 70. 70 000! Commence à devenir une attaque sérieuse, ça. Hein? Non, 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 pas 70 000, hein. 70 en tout. Hein, 73, là on est correct, là je crois que je suis pile dedans. Et nous, on est combien? 550 000. À la louche, hein, c'est une approximation, il y a une petite marge d'erreur, mais extrêmement faible, je pense que... D'accord. Mmh. Ouais. Est-ce que vous pouvez juste me rappeler combien... Eux, ils sont l'autre empire, hein? Bien sûr, ils sont 73. 73 ouais. Et nous, on est 550 000. 550 000 ouais. On est 550 000. Ouais, ouais. Et eux, ils sont combien? 73. Ils sont 73. Vous vous foutez de ma gueule? Ah non, pas du tout. Si, là, sir, non, si, je, si, je vous promets, si, c'est ça, vous vous foutez de ma gueule. Hein, ils se foutent de ma gueule. Ah oui, 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 là oui. Ne hein. Me regarde pas comme ça, bien sûr que tu te fous de sa gueule, franchement. Hein, les gars, franchement. Bah oui, vous voyez, vous vous foutez de ma gueule, même eux, ils le disent. Et pourtant, c'est des musiciens, hein. C'est des cons. Alors, ce que tu vas faire, parce qu'il n'y a aucune raison que je te vous vois, hein, puisque tu es en train de te foutre de ma gueule depuis tout à l'heure. Non, mais... Non, tu vas me laisser terminer. Et tu vas arrêter de te foutre de ma gueule. Alors, ce que tu vas faire, tu vas me régler cette histoire d'empire où ils sont 73 et nous, on est 550 000, et tu vas me brûler leur femme et violer leur maison. Vous êtes sûr sur le... Par. Fil. Parce que je vais te faire du mal. Ok. Ventile. Musique. Je sais pas toi, mais moi je suis pas sûr hein, sur ce coup-là. Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est les ordres. Il m'a dit brûler leur femme et violer leur maison, donc... Bah, quand même... Mais tu veux aller le voir toi-même? Oh non, non, s'il a dit ça, c'est que c'est ça. Oh. Laisse tomber. Je vais me faire une cheminée, tiens. Ok. On se dit dans 10 minutes ici, hein. 10, ça marche. Balram! Balram, attendez! Alors, c'était bien, non? Ouais. Ouais, ça va. C'est pas mal. C'est pas mal. Sauf l'histoire du viol à la fin. Moi, j'aime pas trop ce genre de choses. Mais non, mais c'est de l'humour, ça, maman. C'est une vanne. Ouais, ben, je préférais encore, tu vois, les petites vidéos que tu tournais avec Tristan dans la chambre. Ça, j'aime bien. Ouais, petites vidéos, on a quand même fait des millions de vues. Hein. Ouais, mais je préférais ça. Ouais, mais maman, ça n'a rien à voir, là. Ça, c'est pour la télé. Hein. Ouais. T'as vu la qualité de l'image? Ouais, ouais, peut-être, mais bon. Et toi, papa, t'as aimé? Je sais pas, tu dis rien depuis tout à l'heure. Non, mais c'est juste que c'est hyper important pour moi, papa. Ça, c'est une grosse machine. Il y a plein d'opportunités. En plus, c'est le premier que je fais avec eux, donc si attends, ça match bien... Attends, comment ça, le premier? Parce qu'il va y en avoir d'autres. Ça va être ça, ton turban? Faire le comique qui viole les murs? Ah, t'as regardé, quand même. Ouais, c'est ça, fais le malin. Réponds, ça va être ça, ton taf? Mais non, mais j'ai pas dit ça. Tu dis quoi, alors? Mais Djibril, laisse-le, il est grand. Il a le droit de s'amuser un peu pendant ses temps libres. Elle a raison, ta mère. C'est un genre de hobby pendant tes temps libres. Bah oui, c'est un hobby. Tu me rassures. À un moment, j'ai cru que t'allais nous dire que ça allait devenir ton métier. Mais jamais de la vie. Mon métier, carrément, l'autre. Parce qu'on te connaît, toi. Des fois, t'es un petit peu... Mais non, mon métier. Mais non, ça peut pas être mon métier. Ouais. Bonjour.
Yannis Traoré, comédien pour sketch et associé. Par là. D'ailleurs, faites quoi après? Non, parce que ce soir, le type doit passer chez moi, mais faut pas que je sois là. Je peux pas, moi. Ce soir, moi non plus, je peux pas. Non, mais attendez, faut que je vous supplie maintenant. Non, mais les gars, faites pas les relous, là, j'ai besoin de vous. Mais attends, venez. Eh, c'est moi qui paye. C'est une question de payer, on peut pas, c'est tout. Bah, non, mais si. J'ai une vie de famille, moi, enfin. Non, mais j'ai besoin de vous, les gars. Waouh. Elle est en galère, la petite Tania, là. Non, elle est pas en galère, la petite Tania. Elle a juste son mec à esquiver ce soir, mais ça, c'est pas une galère, tu vois, on va gérer. Ok, Michel, donc c'est officiel, zéro intimité. On raconte ma vie au premier venu. Au premier venu, l'autre. Et on va passer du temps ensemble. Hein. Faut qu'on apprenne à se connaître. Hein. C'est quoi le dos? Le dos, bah, c'est qu'en fait, elle est avec un mec depuis une semaine et qu'il a un rire de merde. Voilà, c'est tout. Ah non, mais c'est parce que tu l'as pas entendu, Tom. Quand je dis que c'est irréel, c'est irréel. Et pourquoi tu lui dis pas? Ah merde, j'y avais pas pensé. Je suis con, moi, des fois, hein. Ça, je vois pas pourquoi je me prends la tête alors que j'ai juste à lui dire « Écoute, Hugo, t'es un mec génial, t'as un cœur en or, on baisse comme des oufs, mais franchement, t'as un rire de merde. Alors, salut !» Donc là, sinon, question intimité, on est bien ou... En même temps, le vrai problème, il est pas là. Hein. Le vrai problème, c'est nous, les humoristes. C'est-à-dire? Je m'explique. Les gens normaux, quand ils sont avec nous, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils rigolent. Et ça, c'est normal, c'est parce qu'on est drôle. Mais nous, on sait gérer ça parce qu'on est professionnels. Mais eux... Du coup, tu proposes quoi? Bah, la vérité, c'est qu'on peut sortir contre nous, les humoristes. Sinon, ça a aucune chance de marcher. C'est mathématique. Ah, bien sûr, on a raison. Ah ouais, d'accord. Mais sinon, Jamel Debbouze et Mélissa Torio, par exemple. Bah, est-ce qu'il est tout le temps drôle, Jamel Debbouze? Quand il dort, par exemple. Peut-être que lui, il se dit... Yannis. Ouais. Allez, je vais, parce qu'il y a Valérie qui m'a... Bon, Yannis, je compte sur toi, hein. Assure. Hein. C'est ta première interview et je la connais, cette journaliste. Elle est rotor. Hein. Alors, te laisse pas déstabiliser. Dis-toi que pour elle, t'es juste un petit branleur qui fait des vidéos à deux balles dans sa chambre. Et puis, alors, tu lui parles même pas tes millions de vues parce que ça lui passe au-dessus de la tête. Elle ne connaît rien. En fait, il faut juste que tu sois toi-même et que t'en fasses pas trop. Et là, tu vas te la mettre dans la poche, ok? Allez, file. Bonjour. Bonjour, Yannis. Bon, sinon, Yannis, comment vous comptez trouver votre place sur ce programme? Bah, en écoutant surtout. Ouais. Ouais, je pense que, vu le niveau de mes collègues, j'ai juste à me faire tout petit et puis à me mettre au diapason. Vous êtes modeste, hein. Vous faites un tabac sur Internet, les jeunes vous adorent. Le principe, c'est quand même que vous ramenez un petit peu de sang frais à ce programme, non? Bah, je dirais pas sang frais, ça voudrait dire que le programme, il est dépassé. Mais en tout cas, ouais, je vais essayer d'apporter ma patte, quoi. Et sinon, petite chose, comment vivez-vous le succès et l'ascension de Tristan Thoiry, votre ami avec lequel vous faisiez des vidéos sur Internet? Je le vis très bien. Franchement, je suis très content pour lui. Ouais. Vraiment? Ouais. Ça pourrait ne pas être le cas. Hein. Vous avez commencé ensemble, et là, il vous quitte pour faire du cinéma. Puis pas que n'importe qui, avec Jean-Michel Mercier, grand réalisateur qui a fait plus de 8 millions d'entrées avec ses deux derniers films. Hein. Non, franchement, je suis très content pour lui. Vraiment, c'est hyper cool ce qui lui arrive. Après, voilà, aujourd'hui, chacun son chemin. Moi, je pense qu'on peut autant s'épanouir au cinéma qu'à la télé aujourd'hui. C'est ça qui est cool. Oui, enfin, on va juste être sincère un petit peu, hein, de vous à moi. On va pas comparer un futur carton au box-office avec une petite pastille d'humour sur le câble, non? Hein? Hein? C'est vous qui le dites, hein? Je vous sens énervé, là, non? Non, si, pas du tout. Si, je vous sens un peu énervé. Vous voulez peut-être qu'on change de sujet? Vous changez ce que vous voulez. On va changer de sujet, parce que là, hein, je vous sens un peu stressé quand même, hein, pardon. Bon, est-ce qu'on peut arrêter deux secondes, parce que c'est hyper désagréable, en fait. Vous jouez le mec énervé, là, non? C'est ça? Allez, on va arrêter l'interview, ok? Bah, comme vous voulez, mais une petite dernière question. Il semblerait que vous ayez un problème avec votre hebdomadaire, hein, vous allez être déprogrammé pour passer en nocturne, c'est vrai? Ah, ça vous intéresse maintenant? C'est plus un programme de merde? Ah, j'ai jamais dit ça. Si, vous l'avez dit, vous l'avez pensé. Vous pensez que c'est un programme de merde que personne regarde? Non, ça c'est vous qui le dites. Par contre, vous êtes dans ma loge, donc c'est à vous de partir. Allez, hop. C'est ce que j'allais faire. Ouais. Merci. De fou!
une émission de merde que personne ne regarde. Voilà, Yannis Traoré, prochainement sur Scoop Mag. Il a complètement craqué, le mec. Il s'est fait piéger, c'est tout. La journaliste l'a mis sur Twitter pour faire du clic, on connaît, hein. Non mais oui, mais même, attends, c'est plus possible. Il se prend pour qui, là? On n'a même pas commencé la saison, ils nous plombent déjà, le mec. Attends, moi, je suis pas contre hein, l'idée de mettre un débutant dans l'équipe, y'a aucun problème avec ça. Mais juste, on prend quelqu'un du métier, quoi. Si le mec, il est même pas capable de se contenir en promo, alors que la promo, c'est un truc hyper important. Parce que nous, après, on passe pour quoi? Tu vois, c'est ouais. Juste, on est qui, quoi? Franchement. Alors, écoutez-moi bien. L'émission est en train de crever. On est en train de crever. Je crois que vous n'avez pas bien capté la gravité de la situation, là. Si, mais quand même... C'est pas fini. Est-ce que vous voulez voir les chiffres de l'audimat? Attention, je vous préviens, ça pique les yeux. Le petit Yannis, c'est notre chance, et c'est votre chance. Parce que si ça profite à l'émission, ça profite à tout le monde. Ça marche, vos one-man, là, dans vos cabarets, là, je sais pas quoi? Ça se maintient. Attends, moi, c'est pas tout à fait du one-man, hein. Moi, c'est du théâtre. Et ça marche. Ça se maintient. Et toi, il t'a toujours pas appelé Xavier Dolan? On est d'accord. Vous pouvez disposer. Merci. Valérie, juste pour te dire qu'en fait ce soir je vais pas pouvoir parce que je vais aller boire un verre avec Michel et Tania, tranquille. Donc. Ok, Tania. Pas de souci. À ce soir. Non, en fait, t'as pas entendu. J'ai dit que ce soir je pourrais pas parce que je vais aller boire un verre avec Michel et si, Tania. Si, 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 j'ai très bien entendu, donc à ce soir. Ouais, mais t'as raison. Déjà qu'on se voit au boulot toute la journée, et la tête comme ça, si on se tape une soirée avec les mêmes, bourré la tête avec l'autre, mon mec, il est ici, mon spectacle est en train de faire. Je fanais d'avance. Allez, bisous. On va faire un petit noche ou pas? Ah oui? Hein? T'as rêvé pourquoi on est là? Ouais, je connais un peu des gens à la prod. Hein. Après, faut passer quelques castings, c'est tout, quoi. C'est ce que c'est. Allô? Allô, Max? Oui, Tata. Non, écoute, je t'ai déjà dit d'arrêter de m'appeler comme ça. Combien de fois il faut que je te le dise? Je déteste ça. Vous avez tous décidé de me faire chier aujourd'hui ou quoi? Non, mais pardon, Valérie. Oui, mais non, on m'appelle pas comme ça non plus, ça m'agace. Bon, bref. J'ai besoin que tu fasses un truc pour moi. Eh, mange un truc, t'as rien touché. Non, laisse tomber, je peux rien avaler, là. Je stresse, ça se voit pas. Faut absolument capter le rédacteur en chef du magazine, là. Si l'article sort, je suis mort. Ah, ça, c'est clair, ouais. Ah oui, donc toi, tu rassures pas, toi. C'est pas ton truc. Mais non, en même temps, c'est compliqué. T'as deux doigts de passer pour un casseau sur du métier, donc... Si tu stresses pas là, je sais pas quand tu stresses, toi. Dis-moi, t'as passé quel diplôme pour réconforter les gens, toi? Non, mais ne t'inquiète pas, je l'ai eu, ton petit rendez-vous. Avec qui? Bah, avec le rédacteur en chef de Scoop Mag. Mais qui les... Mais t'es... Depuis tout à l'heure, je suis en stress, pourquoi tu me le dis que maintenant? Bah voilà, là, je te le dis, là. C'est dans combien de temps? Dans 30 minutes. Ne t'inquiète pas, c'est pas très loin, c'est au café, au comptoir, là. Eh ben, n'empêche, faut que j'y aille, moi, j'ai pas envie d'être en retard. Et merci, non? Si, merci, c'est cool. Hein? T'as assuré. Ouais. Attends, eh oh, et l'addition, non? Bah, quoi, c'est pas la prod qui paye? Eh, pourquoi tu veux que ce soit la prod qui paye? Bah, je sais pas, t'es l'assistant de Valérie, c'est toi qui m'as dit de venir ici, je pensais que c'était un déj de taf, quoi, moi. Eh non, c'est pas un déj de taf, qu'est-ce qu'il fait, lui, il est fou, c'est toi qui paye. Mais j'ai rien touché. Oh, mais c'est relou, là. Tu m'as dit que c'est dans combien de temps? Dans 30 minutes. Bon. Pas gâché, hein? Ah non, faut pas gâcher. Pas hein. Gâché. Je suis désolé pour le retard. Paris, les embouteillages, c'est un enfer. Ah, y a aucun souci. Oui, oui, assieds-toi. Hop là. Pour moi? Oui, je t'ai commandé un petit latte. Ah, cool. Ce qu'il me fallait, là. Ah, tu t'es bien un petit peu de mousse. C'est drôle, je t'imaginais pas du tout black. Mais ça ne me dérange pas du tout, hein, non, au contraire. Hein. Je crois qu'il y a méprise, là. Méprise? Scoop Mag ou... Scoop Mag? C'est bien ce qui me semblait, il y a méprise. Ah! En fait, vous attendez quelqu'un, mais c'est pas moi.
Oula, je suis désolé. Il n'y a pas de mal. Ah, non, vraiment. Pas de soucis. Je vous laisse le latte. Vous pouvez le prendre si vous voulez. Non. Ça va aller. Bonne journée. Merci. Ouais. Scoop Mag. Oui. Eric Caplan, enchanté. Enchanté. Oh, l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez le monsieur là-bas, là? Oui. Je croyais que c'était vous. Sauf que le mec, il avait rendez-vous avec un autre mec, genre site de rencontre, vous voyez? Ah, bah, c'est des choses qui arrivent. Oh, le malaise. Pourquoi le malaise? Vous croyez que ça se voit que vous êtes pas gay? Bah, oui, quand même. Bien. Je sais pas, moi, par exemple. À votre avis? Non. Bah, c'est con parce que si. Ah. Femme se réveiller un peu, hein. C'est fini le look grosse moustache, pantalon de cuir. Non, mais j'ai jamais dit ça. C'est juste qu'en fait, je trouvais ça ouf que le mec me prenne pour un homo, quoi. C'est... Ah, parce que ça ressemble à quoi, d'après vous, un homo? Je sais pas, moi. À vous, du coup. Ah, d'accord. Mais non, mais c'est vous qui venez dire. Il faut que vous arrêtiez d'être susceptible comme ça, hein, franchement. C'est... Qui ça, vous? Vous, les homosexuels, c'est ça? Mais non, pas vous, les homosexuels, vous... Bon, ouais, écoutez... Ouais, je crois qu'on s'est tout dit. Je crois aussi, hein. Bon. Bon. Votre article, c'est ça? Bon. Article sur votre interview ratée? Vous inquiétez pas, de toute façon, j'avais prévu de pas le sortir. Ah. J'étais venu pour vous présenter mes excuses pour le comportement inadmissible de notre journaliste. Bah, merci. Vous êtes sympa, en tout cas. Mm. Quand je dis vous, c'est vous personnellement, hein, pas vous les homosexuels, quoi. C'est... Pourquoi? Ils sont pas sympas, les homosexuels? Ok, tout le monde, on va répéter dans 2 minutes, s'il vous plaît. 2 minutes. En fait, c'est bon, hier, j'ai réglé les soucis avec Scoop Mag. Hein. Ouais? Ouais, je suis allé le voir, le mec, discussion de bonne à moi. Je peux dire, il a pas bronché. Putain, le mec, il est là, il déforme mes propos, ça veut dire quoi, ça? Putain, c'est pas vrai. Tania, ça va, chérie? Oui. Je m'inquiétais, ça fait 2 jours que j'ai pas de nouvelles. Eh ben, fallait pas. Tu vois, c'est parce que j'arrête pas en ce moment, en fait. S'il y a un souci, faut me le dire, hein. Je suis pas en sucre. Ah, mais non, je t'assure, tout va bien, y a pas de souci. Hugo, c'est ça? Oui. Enchanté, Yanis. Tania m'a beaucoup parlé de toi. Ah, hein. Oh, ok, en bien, j'espère. Bah écoute, elle m'a dit qu'elle était très heureuse dans sa vie et qu'après, t'as débarqué. Excellent. Et du coup, vous allez tourner quoi aujourd'hui, alors? Là, on va tourner un sketch sur un enfant surdoué de 5 ans. En fait, le mec est très très vif d'esprit, il peut dire son prénom à l'endroit comme à l'envers, mais en une fraction de seconde, comme ça. Tu sais comment il s'appelle? Bob. C'est surhumain. Pardon. Excuse-moi, je veux pas. Pardon. Ça paraît ouf. C'est ça le problème, en fait. Quel problème? Ça va, te fatigue pas. Juste, t'aurais pu me le dire en face, plutôt que laisser ton copain se moquer de moi devant tout le monde. Non, mais Hugo, attends. Hugo! Juste pour info, ce que j'ai, c'est un terme médical. Ça s'appelle un décollement du larynx. C'est un décollement du larynx. Il est sympa. Ah, c'est bon, là, ça va. Arrête, c'est bon. Pardon. J'espère qu'il a pas mal pris, quoi. Excuse-moi. Tout le monde est prêt? Ouais, c'est cool. Répétition. Bon, tu me remercieras plus tard, d'accord? Allez.
Pour l'instant, let's go to the show. Cadré. Action. Est-ce que t'es belle, mon amour? Merci. Et sur rouge à lèvres. T'aimes bien? Ouais, t'es belle. Alors, est-ce qu'on a fait son choix? Ouf, écoutez, tout a l'air tellement bon que je sais pas trop quoi choisir. Chérie, je vais prendre la même chose que toi. Oui. Alors, moi, je me laisserais bien tenter par le homard des îles Chausset. 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 Et le zeste de kiwi. Bon, alors, hop, regardez. On va laisser tomber les cartes. Je vais vous faire un plat de pâtes al dente en 5 minutes. Ça sera très bien. Et surtout, ce sera beaucoup moins cher. Faites-moi confiance, j'arrive. En tout cas, c'est hyper sympa ici. Hein. Moi, j'aime bien les petites lumières, tout ça. C'est oui, cosy. Hein. C'est beau, hein? Oui, bah, j'adore, j'adore. Attends, juste 2 secondes. Okay. Excusez-moi, s'il vous plaît. Monsieur, pardon. Juste. Excusez-moi, juste une petite question. Pourquoi vous nous avez proposé le plat de pâtes? C'est quoi le problème? Je vais aller vous faire les pâtes. J'arrive. Je vais même pas pour sonner. Attendez, excusez-moi. Alors, vous pensez qu'on n'a pas les moyens, c'est ça? Monsieur, je travaille, j'ai une situation. Chérie, chérie. Non. Oui, non, non. Attendez. Je peux aller faire le plat ou... J'y vais. Pardon, monsieur, excusez-moi. Oui. Pardon. Puisque je vous dis que j'ai de l'argent, je peux le payer, le homard. Mais j'entends. J'entends. Allez, je vais vous faire un plat de pâtes, j'arrive. Mais il est sérieux, lui, ou quoi, là-haut? Oui. Qu'est-ce que t'as pas compris, donc j'ai de la thune? Je peux aller vous faire votre plat de pâtes, là, ou... Non, mais il me rend ouf, là, sérieux. Bon, j'arrive, je vais faire le plat. Mais sur la tête de ma mère, tu bouges un sourcil, je te monte en l'air, frère. Non, écoute, chérie... Et toi, tu fermes ta gueule. Hey, toi, tu m'as pris pour un crevard ou quoi? Toi, tu crois quoi? Tu crois que je peux... Mais attends, hey, frère. Tu crois que je peux... Mais si je veux, je paye la bouffe à tout le monde ici, y'a personne qui paye. Mais c'est ça que t'as pas compris. C'est ça que t'as pas compris, si je veux, je paye la bouffe à tout le monde, là. Attends, tu veux jouer avec moi comme... Ah, tu veux jouer avec moi? Tu me crois pas comme... Hey. Tournée générale, l'addition elle est pour moi, y'a personne qui paye aujourd'hui. L'addition elle est pour Bibi. Elle est pour Bibi l'addition, frère. Personne ne paye. Toi, range ta thune, sinon je te nique ta mère. Voilà, ça c'est fait. Frérot, viens ici. Viens ici. Dis-moi, c'est combien les roses? 2 euros la rose. Je les paye 4 euros, tu mets tournée de roses pour tout le monde, frère. J'ai des lasers aussi. Mets des lasers, ta mère. Tiens, chérie, joyeux anniversaire. Je paye. Aujourd'hui, je paye. I paye. Madame, reprenez du champagne. Avec le compliment de la maison, je paye. Catherine. Je paye, frérot, je paye. Ouh. Ah, frère, tu m'as vénère. Tu m'as vénère. Eh, vous avez, j'espère que vous avez bien mangé, parce que je vais payer. Alors, si ça vous embête pas, je vais vous encaisser tout de suite. Il n'y a pas de souci, frérot, encaisse tout de suite. Ceux qui veulent des desserts, prenez ces maintenant avant que je paye. Je paye. Ouh. C'est parti. Allez, mets des roses, mets des roses, mets des roses. Je paye. Code, s'il vous plaît. Code. Allez, tiens. Allez, c'est parti. Je paye. Wouh. Qu'est-ce que ça dit? Un paiement refusé, là. Ne inquiétez pas, il y a des solutions à tout. Tu es libre, Didier. C'est vrai? C'est vraiment vrai? C'est qui, lui? C'est Didier. Lui aussi, sa carte ne passait pas. Et tu vas le remplacer. Ah, j'aime ce genre de journée, c'est super. Dingue, hein? Incroyable. C'était cool, hein? Oh, vous marrez, là. C'est énorme.
Ouais, allô? Ouais, Valérie. Hmm? C'est moi, là. Voilà, écoute, je t'appelle parce que... voilà, je vais tout arrêter. Vous commencez à arrêter? Bah, l'émission, tout, voilà, je vais tout arrêter. Oh non, qu'est-ce que tu racontes, mon chou? Non, mais je suis sérieux, là. Ça fait même pas un mois que je suis là, et voilà, ça y est, j'ai déjà fait un pas de buzz. Avec les collègues, ça se passe super mal, en plus, il y a mes parents, enfin... Non, franchement, laisse tomber. Je sais même pas si je suis fait pour ça, en vrai. Ok, alors déjà, tu redescends. Hein? Premièrement, bon, un buzz, ça reste un buzz, hein, qu'on parle de toi en bien ou en mal, l'essentiel, c'est qu'on parle de toi, d'accord? Ensuite, bon, par rapport aux autres, bah, c'est toujours difficile d'intégrer une équipe, hein. Mais tu sais, Yanis, je veux te dire une chose. Moi, je crois en toi. Alors, leur donne pas raison. Tu penses vraiment ce que tu dis, là? Ouais, bah, c'est même ça, la définition d'un prod, dire ce qu'il pense. Allez, repose-toi, demain, on a du sketch à faire. Merci, bonne nuit, Valérie. Allez, bonne nuit. C'est énorme. On parle de Porsche, cherche l'accès. On parle de Porsche, dois trouver l'accès. On parle de Porsche, cherche l'accès. Les rêves qui remplissent ma tête m'ont vidé les poches. On me berce à me donner des leçons. J'accumule les rides de l'époque. Je check toujours les mêmes personnes. Y'a qu'un truc qui peut me séparer de mes potes. C'est mes galères, je récupère leurs patins pour eux. Je viens lutter sénégalais. Je cours dans toute la ville, dans la rue, on l'anime pour quelques dollars, on s'allume. On sépare, on se revend, on s'égare, on se retrouve dans le même square. On devient nostalgique quand on regarde la lune. Beaucoup de choses entre nous deux, mais très peu entre nos cœurs. Vrai frérot, on compte les mêmes peurs. Celle du bélier sur le palier à 7 heures. C'est vrai, on a grandi dans le manque et la dé. Mais pas de quoi sortir les violons mélodieux. Hormis ton bien, y'a peu de choses qui m'inquiètent. On se voit pas vieillir, encore moins devenir des envieux.